qu'on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est quasiment 3h. Je vais aller sortir les chiens, manger, et puis après j'ai une commande à préparer et j'irai poster les deux commandes en promenant à Maury. Ça va lui faire plaisir, je pense. Pour l'instant, pas de conneries, je crois qu'elle avait refait pipi sur le canapé, mais non, c'est les filles qui se sont léchées à fond. C'est bizarre, ça sent pas le pipi, mais en fait elles se sont léchées sur le canapé, ça fait une auréole. Mais lui, il n'a fait pas de plus disant que tel, donc il a abandonné le canapé, sauf que le canapé est devenu sa grotte, il dort en dessous. C'est pas grave, ça ne dérange pas. Intime. Intime, intime. Coucou. Coucou. Elle va faire pipi? Oui. Oui. J'ai retrouvé un chien joyeux. Il est joyeux. Il est joyeux. Ça, c'est mon chien. Je le reconnais maintenant. Il est déjà 4h. On a fini de regarder les vidéos sur YouTube avec le chien. Là, j'ai un bouton qui me fait mal. Là, faut pas que j'y touche. Donc je vais faire quelques papiers. On a un papier pour faire pour une partie de remboursement. Il y avait une offre pour le numéro de téléphone du chéri, donc il faut que je finisse de faire ça. Je vais utiliser mes fameuses petites étiquettes que j'ai commandées pour imprimer à l'imprimante, c'est trop bien. Et je vais préparer ma petite commande et je vais en profiter pour ouvrir les calendriers de l'avant. Et quand le chéri sera revenu, on ira promener les deux malous pour aller déposer ça en boîte aux lettres à la poste. Voilà. Alors c'est la première fois que j'ai une commande avec un petit mot à imprimer, donc pour Arthur. Alors je ne sais pas si Arthur est un enfant ou un chien, je ne sais pas si je dois lui envoyer des friandises ou pas. C'est la première fois que ça m'arrive, pourtant c'est... je vends des articles pour chiens, c'est marqué en gros dessus, donc je sais pas quoi en penser en fait. Depuis tout à l'heure, je me dis bon, faut que je prépare la commande, faut que je prépare la commande, mais j'imagine le petit garçon qui reçoit des friandises pour chiens, les parents qui captent pas, qui lui donnent à manger. Alors ça va, c'est du naturel, mais je sais pas, vous feriez quoi à ma place en fait, vous, parce que en fait j'ai pas encore prévu de bonbons pour les adultes, j'ai pas prévu encore moins des trucs pour les enfants, donc je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas si Arthur est un chien, un chat ou un enfant en fait. Je sais pas. Bon, en tout cas, joyeux Noël Arthur si tu passes par là. Et désolée si jamais t'as reçu pour ton Noël des friandises pour chien, je suis désolée. Ah non, oh, s'il vous plaît, si vous faites ça, si c'est pas pour des animaux, précisez-moi que ce n'est pas pour des animaux. Parce que là, ça me tue. Bref, petit fou rire. Donc j'ai imprimé toutes mes étiquettes, mes enveloppes, enfin mes timbres. J'ai plus qu'à tout préparer. Bref. Donc ça y est, comme vous avez pu le voir, j'ai préparé ma commande, j'ai fini de faire pour l'enveloppe, pour le remboursement d'une partie de la commande du téléphone du chéri. Et là, je vais faire l'ouverture des calendriers de l'avant. Je pense qu'il va pas trop traîner et en plus, il fait déjà presque nu pour aller prendre les chiens, ça va être drôle, tiens. Je vous filmerai quand même, mais on va pas voir grand-chose. Le calendrier avec les petites pierres. Je vous le dis, on va continuer à le monter, et en plus elle est cassée en deux. Hein, on va le continuer à le monter, mon petit mur en caillou de chez Leroy Merlin. Même pas ces deux morceaux. Ça vend du rêve, hein. Moi je vous le dis. Bref, Lady, ça ne se mange pas, va attendre là. Il n'y a pas d'autres morceaux, c'est bon. Bon, ben, on verra si c'est mieux demain. Donc ensuite, celui de chez Kinder, donc on a dit le 11. Mais parce que je fais pas fait gaffe quand j'ai ouvert les pierres, parce que comme ça suit sans réfléchir. 11. Je vois pas, il est fou. Je vois le 17. Bah. Je l'ai pas déjà ouvert. Ah non, c'est pas possible. 17, 23. Ah oui, là, tout petit. Ok, j'avais zappé cette ligne-là. Ouais, limite pour la commande pour le petit garçon, au cas où, si c'était un petit garçon, j'aurais dû lui glisser. J'aurais dû lui glisser ça en plus, mais bon. Trop tard. J'ai déjà fini mon emballage.
Donc là, ouais, j'ai le petit Otari et les petits bonhommes de neige. Pour Cosma, on a au bœuf. Je mets toujours la lumière trop loin. Voilà, comme ça. Au bœuf. Ensuite, le Lily's Kitchen. Avec ça. On a deux petites fleurs. Et ça se sépare très bien en deux, ça, si jamais il faut pour plusieurs chiens. Ensuite, le canis gourmand, je vais pas mettre très longtemps à le chercher. De toute façon, moi, il y en aura dans le paquet, puis ce sera simple. Alors. Les fameuses lamelles avec lesquelles il s'étouffe. Cool. Plusieurs morceaux. Hop, donc on a 4 morceaux. Ça sent super fort, je sais pas quoi c'est. Ah, et bah forcément, je m'en doutais, j'allais dire, c'est du gibier. Donc ce sont des lamelles de cerf. Voilà. Donc voilà pour le résumé aujourd'hui. Donc les deux Kinder comme ça, Lily's Kitchen, Cosma, les petites pierres ridicules de mon calendrier de pierre et les lamelles de cerf. Et donc aujourd'hui pour les petites cartes, d'ailleurs je serais sûre que ça aurait été un petit garçon, franchement si on me laisse des mots personnalisés en me disant c'est un petit garçon machin et la télâche truc bidule, ça me permet de cibler les cadeaux que je peux glisser à l'intérieur. Et typiquement le petit garçon j'aurais pu les glisser des petites cartes comme ça, ça se trouve ça y aurait peut-être plu. Mais ne connaissant pas le profil de celui qui m'a commandé, bah, je peux pas savoir. Donc j'ai eu Nova que je ne connais pas et j'ai eu 3 Gorgones, voilà. Donc en plus je pense que pour Etsy, il doit y avoir moyen de laisser des messages personnalisés pour X ou X raisons. Donc on va hésiter à s'en servir. Plus on me donne d'infos, plus je peux personnaliser les commandes au niveau des petits cadeaux, quoi. La race de chien pour laquelle vous commandez, si c'est un chat, un chien, un enfant, s'il y a des allergies, ils ont une passion en particulier pour tel ou tel truc. Je sais pas, après moi je peux me débrouiller parce que j'ai toujours des stocks de cadeaux à la maison. Donc voilà. C'est en moins bon, on est revenu de la petite balade qu'on a fait avec les mâles. Les filles voulaient vraiment pas sortir vu le froid qu'il fait. Enfin, il fait un peu moins froid, mais il fait trop froid encore. Là, c'est pas leur kiff. Donc voilà, ça leur a fait une petite balade. On est allé à la poste déposer les colis. Forcément dans les boîtes jaunes, hein, parce que la poste, de toute façon, est tout enfermée.
Et on a voulu passer au petit marché pour acheter des pommes parce que Chéri était faire des courses pour m'acheter des pommes, il a tout acheté, il a oublié les pommes. Et c'est pas grave, on a été au marché mais il remballait au moment d'arriver donc. Trop tard. Mais pour ça on se sert jamais des commerces parce qu'ils sont toujours fermés quand on en a besoin. Ou c'est trop cher. Donc voilà. Mais donc je vais me rattaquer à ma couture que j'étais en train de faire. Il y a sûrement Marie qui a sorti son vlogmas du jour. Marie Frozen Crystal. Je vais regarder si Elsa Makeup en a sorti un aussi. Et après je vais continuer à regarder les vidéos de Missy là. En mangeant un tout petit bout. Et je finis ma couture et puis après je vais voir ce que j'ai d'autre à faire. Voilà. Donc un nouveau tout petit bandana de fée. Je me mange un bout de Kinder et j'ai vraiment un problème avec le chocolat. Et j'étais en train de finir un montage. Donc il est 2h moins le quart et les loups vont manger. Ils sont impatients. Donc ce soir il y a les... je crois que c'est du porc. Oui je crois que c'est du porc. Donc il y a le curcuma en plus et j'ai mis les petits poissons. Putain j'ai la tête, j'ai la musique dans la tête. Si vous savez de quelle musique je parle... Dites-le moi en commentaire. Donc j'ai mis les petits poissons sauf dans une gamelle puisque Lexi n'aime pas. Voilà, donc je vais leur donner ça tout de suite. Donc ça y est, j'ai fini encore une fois un montage et aussi un autre bandana, cette fois-ci en taille M. Et je regarde toujours les vlogs et je joue, mais il y a encore une pub. Non, mais je veux pas de pub Amazon. C'est bon, Amazon, j'achète ça, c'est comme ça. Voilà, avec des traces de doigts partout. Bon, je me suis fait un petit chouchou derrière. Oui. Il est 5h moins 20. Oui, ce n'est tout à fait pas raisonnable. J'ai publié mes réels en retard sur les petites pattes d'Emmy. J'ai monté un vlog que je suis en train de mettre en ligne. J'ai commencé à faire mon planning pour la semaine prochaine sur mon planificateur de chez Dis-moi tout. Et voilà, je fais des choses et d'autres, mais là il va être largement d'aller faire dodo, donc je vais aller prendre ma douche, étendre mon linge, oui j'étends mon linge à 5h moins 20, cherchez pas. Et puis après bah, dodo time, et puis on se retrouvera demain, donc j'espère que ce vlog vous a plu, c'est qu'à n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à souscrire un abonnement si le cœur vous en dit, et moi je vous dis à demain pour un prochain Dogmas. Kissou.